Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire est arrivé à l'aéroport international de Lombo le mercredi dans l'après-midi où il a été reçu par Justin Kumba, président de l'Assemblée nationale du Congo. Porteur d'un message du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, Guillaume Soro est venu réaffirmer les liens d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Parmi les messages dont je suis porteur au président Sassou figure justement la visite que le président Alassane Ouattara souhaite faire ici au Congo. Donc j'ai porté ce message au président Sassou qui en est ravi et qui m'a chargé de dire au président Ouattara non seulement sa joie mais son accord pour cette visite d'État. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est par ailleurs venu représenter son pays à la cérémonie de recueillement en mémoire d'Edith Lucie Bongo Ondimba, fille aînée du président de la République Denis Sassou Nguesso, dont il garde un souvenir inoubliable. J'ai eu à rencontrer Madame Edith Bongo. On lui reconnaît, n'est-ce pas, donc des valeurs de charité, de proximité avec les citoyens. Et c'est pourquoi je me sens aussi concerné par cette journée qui a été consacrée à ce souvenir de sa mémoire. C'est ainsi que ce jeudi 14 mars, Guillaume Soro a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu.